Je me suis réveillée avec une grosse envie de filmer, donc je me suis dit qu'on n'allait pas louper l'occasion. Parce que vous me manquez trop, franchement, j'ai pas l'habitude de pas poster sur YouTube comme ça, même si je sais que ça fait qu'une semaine, mais ça paraît tellement énorme, surtout pour le mois de décembre et surtout pour tout ce qui avait prévu. Ça fait une semaine que j'ai posté ma dernière vidéo où je vous annonçais un peu ce qui s'était passé. Depuis, j'ai pas donné de nouvelles, rien du tout, j'ai vraiment coupé de partout. En une semaine, je suis vraiment passée par toutes les phases possibles et imaginables. En fait, je savais que le jour où ça arriverait, je serais extrêmement mal, mais à ce moment-là, je pensais pas. Et en fait, quand j'y pense, je me dis qu'en fait c'est logique, parce que ce chat, j'ai tout partagé avec lui, et de ma vie, j'ai jamais passé autant de temps avec quelqu'un, que ce soit ma famille, que ce soit mon copain. Il n'y a jamais personne qui a vécu comme ça avec moi au quotidien, matin, midi, soir, toute la nuit. J'ai été vraiment très 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 mal les premiers jours. Je pleurais non-stop, en fait je pleurais vraiment non-stop tout matin au soir. Heureusement que j'avais Jérémy avec moi, même si Jérémy était aussi triste que moi. Je déteste me sentir, enfin qui aime ça, mais j'ai vraiment quelque chose en moi qui déteste me sentir, me laisser aller, j'ai horreur de ça. J'ai essayé un peu de combattre cet état, et en fait vos commentaires et vos messages m'ont trop aidé, parce que tout le monde m'a dit qu'il fallait pleurer, qu'il fallait être mal et qu'il fallait laisser tout ça passer pour avancer, et qu'il fallait pas essayer de l'esquiver, parce que moi je suis un peu madame déni. C'est très facile pour moi d'être dans le déni d'une situation, c'est comme ça que j'avance, c'est très mauvais. Et vos messages m'ont vraiment beaucoup aidé. Au final, j'ai été vraiment très mal du coup pendant ces 4 jours, et là ça fait 2-3 jours où ça va mieux, je pleure moins et j'essaye de plus profiter. En fait, je vous dis, c'est le fait d'être ailleurs que chez moi qui m'aide, parce que je me dis que là je suis à New York et que je peux, j'en sais rien, faire ce que j'aime, aller manger un truc qui me fait plaisir, ou me balader à un endroit que j'aime bien. Et ça change tout, parce que si j'étais chez moi, ça serait très dur. D'ailleurs, je pense que je commence à avoir un peu la boule au ventre de rentrer chez moi. J'ai pas vécu une nuit sans lui chez moi, avec les habitudes. En fait, j'ai pas vécu le vrai vide de la maison. Je l'ai pas encore vécu et je le redoute. Je rentre début janvier. Je pense que ce sera l'étape 2 un petit peu de tout ça. Parfois je me demande si j'ai vraiment réalisé ce qui s'est passé, et j'ai pas la réponse à cette question. En tout cas j'espère, j'en sais rien. En tout cas on verra, et je voulais d'ailleurs envoyer tout mon soutien, parce que je vois tous vos commentaires, tous vos messages, et je vois qu'il y a aussi des gens malheureusement qui vivent la même chose, et je vous comprends. Et je vous soutiens. J'ai appris tellement de choses, mais tellement de choses en une semaine. Je ne peux pas vous expliquer ce qui m'arrive là. Je suis une autre personne. Je vois tout différemment. Déjà les premiers jours, je pense que certaines personnes ont déjà vécu ça, tout est futile. C'est-à-dire que je ne ressentais plus rien. Quand je vous dis plus rien, c'est vraiment à un niveau où il pouvait se passer n'importe quoi. Je ne ressentais plus rien. Je me sentais vide. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai arrêté les vidéos. Le mois de décembre, c'est le mois le plus gros de l'année pour moi en termes de travail, parce que je filme une vidéo par jour. Là, il y avait plusieurs destinations. Enfin, c'était quand même en vrai énorme à vivre. Et j'avais trop hâte. Voilà, vous voyez l'appartement à New York. J'étais tellement heureuse. J'avais réussi à trouver un appartement dans le même immeuble, quasiment au même prix que l'année dernière, parce que je vous avais dit que celui de l'année dernière, il avait pris 4 fois le tarif. Enfin bref, j'avais tout négocié, tout fait, et j'étais tellement contente d'arriver à New York, et j'attendais juste qu'une chose, c'est de vous faire la vidéo, de vous montrer l'appartement et de vous dire qu'on est de retour. Et il y avait vraiment tout ça qui faisait partie de mon programme et de tout, et en fait je suis arrivée là, j'ai arrêté les vidéos, j'ai plus rien fait, et heureusement d'ailleurs, parce que de toute manière j'aurais pas pu. Et en fait d'un coup je n'avais plus aucun stress, ce gros stress des vlogs, je ressentais plus rien, et ça m'a appris beaucoup de choses positives aussi, même si c'est dur à vivre etc, mais ça m'a appris le fait que en fait je me suis surmenée cette année. J'ai pas fait les choses correctement. Je pense que les gens qui me suivent vraiment peuvent voir, parce que vous connaissez ma personnalité, vous savez que vraiment je veux que tout soit parfait, je me démène toujours pour faire les trucs machin, mais il y a une partie qui est hyper toxique pour son corps et pour son esprit, parce qu'en fait on s'arrête jamais, même si je suis plus que contente de ce que je fais et que je veux pas que ça change, je veux juste que je fasse mieux les choses, mieux pour moi. En fait, pas mieux pour le contenu, mieux pour je sais pas quoi, mieux pour moi, pour que je puisse
plus profiter. En fait, je suis arrivée à New York en me disant, j'ai jamais eu cette sensation de pas filmer de vidéo. Et pas parce qu'en fait je commence la semaine prochaine ou parce que je ne sais quoi. Là, c'est vraiment, je ne filme pas et je dors. Je fais ce que je veux et ça m'a fait aussi beaucoup de bien, même si j'aurais préféré évidemment qu'on fasse des vidéos comme prévu, mais voilà, ça m'a apaisé et ça m'a appris en fait que l'année prochaine je veux que les choses soient différentes, que je profite plus de ce qui m'arrive, parce que c'est qu'une seule fois dans notre vie qu'on a la chance comme ça de pouvoir voyager, de pouvoir avoir des opportunités, de pouvoir partager ça avec des gens. Et je veux pas que le jour où ça s'arrêtera, je regarde le passé et que je me dise qu'en fait j'ai pas assez profité. C'est vraiment pas ça que je veux. Et cette année, j'ai fait énormément de choses que je pense que j'aurais dû faire en une vie et que j'ai fait en un an, et je veux encore plus en profiter. Et je veux aussi faire attention à mon corps, parce que là j'ai fait que dormir. Le soir 21h30 je dormais, alors que je me couche jamais avant 3h chez moi. Vous savez comment c'est ici, si vous avez regardé les vlogs l'année dernière, il n'y a pas vraiment de volée ni rien, et tu te réveilles en fonction du soleil quoi. Et je me réveillais à 6h30, enfin je me réveille à 6h30 le matin quand le soleil se lève, et j'ai l'impression que je revis parce que ça faisait trop longtemps que j'avais pas dormi, etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que ça m'a appris beaucoup de choses, et ça m'a appris que je veux plus profiter des gens que j'aime, je veux plus faire attention à mon corps, et je veux plus penser à moi. Et je pense que si je pense plus à moi, j'arriverai à faire encore plus de meilleurs contenus, parce que je serai mieux, et mieux dans mon corps, dans mon esprit. Et ce matin, je me suis réveillée en me disant que j'avais trop envie de vous dire ça. Quand j'ai filmé la vidéo où je vous annonçais ce qui s'était passé, bah, je ressentais rien. Et après, avec le recul, je m'étais dit, ah ouais, mais si ça se trouve, il y a des gens qui vont me dire que j'en fais trop ou j'en sais rien. Et en fait, tous les commentaires, vraiment tous les commentaires, c'est des gens qui me disent que il faut prendre le temps, que là il faut savoir s'arrêter, il faut. Et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une communauté aussi bienveillante avec moi, et que parfois je m'en rends même plus compte parce que je suis à fond dans mon truc. Je pense que la plupart des gens qui me regardent veulent mon bien, et ça, c'est une chance qu'on a qu'une fois dans notre vie. Et j'ai aussi appris que, évidemment, là c'était un cas exceptionnel, mais que peu importe ce que je faisais, entre guillemets, tant que c'était pour mon bien, les gens approuvaient toujours. Et je trouve ça plutôt incroyable. Et là, ça m'a confirmé quelque chose, enfin, ça m'a appris quelque chose que je savais pas au final. Et ça m'a vraiment apaisé de savoir ça. Voilà, j'essaye de voir le positif dans quelque chose de terrible, même si c'est dur. Et je pense que c'est la première journée où j'arrive à vraiment réaliser le positif depuis tout ce qui s'est passé. Et pour moi, j'allais pas filmer parce que j'étais trop mal, et me filmer en pleurant tous les jours, enfin je veux dire, à un moment c'est ridicule. Et en fait, je me suis dit aussi, faire une vidéo comme ça, je sais même pas ce que je vais faire dans cette vidéo, enfin j'en sais rien, je voulais juste vous parler. Ça documente un peu ce que je vis. Je me rends compte que j'ai plus envie de montrer que le positif. Je vous ai jamais caché quelque chose. On choisit ce qu'on montre sur les réseaux. J'ai jamais été fausse, ni rien du tout, jamais jamais. Mais vous m'avez beaucoup entendu dire dans les vidéos, moi je voyais YouTube comme du divertissement, du partage. Et que quand on finit notre journée de travail, parce que je sais ce que c'est de travailler pour très peu d'argent, travailler avec des horaires de malade, finir tard, travailler avec des gens casse-pieds pour rester poli, même si je l'ai pas fait toute une vie, j'ai pas 40 ans de vie comme ça, je l'ai fait, et je sais ce que c'est d'aller sur les réseaux, de regarder des vidéos YouTube en mangeant machin un truc pour se vider la tête, et de voir des influenceurs qui vivent des trucs de ouf, qui en ont rien à foutre et qui font que de se plaindre. C'est tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Quand t'es consommateur de vidéos YouTube ou de réseaux sociaux en général, t'as pas envie de voir ça en fait. T'as pas envie de voir quelqu'un qui se plaint d'être je sais pas où en voyage avec une marque payée je sais pas combien, bref. Et moi, j'avais vraiment cette vision des choses où je me disais, je vais essayer d'apporter un peu de choses positives, et je veux que les gens regardent les vidéos et que ça leur mette le sourire. Mais je pense que toutes les mauvaises choses que je pouvais traverser, tout le négatif, le stress, je m'autorisais déjà pas à ressentir ça parce que j'ai beaucoup de chance de ce que je vis, et en plus encore moins à le montrer, parce que pourquoi me plaindre alors que quand même je fais des trucs de ouf. Et en fait, vraiment, j'ai décidé ça, je pense hier, j'y pensais très fort, et je me suis dit, mais en voyant tous ces commentaires de gens qui me disent qu'ils sont au fond du trou parce que ils vivent la même chose ou pour une autre raison, bah en même temps être là à sourire et faire des trucs machin et être toujours hyper positive, c'est pas la réalité non plus, parce qu'en fait on vit tous des trucs de merde, peu importe notre vie, il y a forcément une mauvaise phase. Et je sais pas, je me suis dit, pff,
Je vais me filmer en fait quand ça va pas. Et je vais vous le dire, je pense que faut garder les pieds sous terre et pas se plaindre. Et toujours prendre du recul sur ce qu'on ressent. Mais c'est fini. Parce que ça m'est déjà arrivé de filmer en fait. Et genre quand ça allait pas, couper la caméra et filmer un autre jour ou plus tard. Pas parce que je voulais le cacher, j'ai encore une fois, juste parce que pour moi, je veux que les gens aient le sourire. Mais voilà, en tout cas c'est pour vous dire que ça va changer cette année. J'espère en tout cas que j'arriverai à être positive. Et c'est sûr qu'il me faudra juste du temps pour redevenir entre guillemets normale comme avant. Parce que pour l'instant je le suis pas. Mais malgré tout, je serai quand même toujours cette personne cette année. Mais je vous montrerai aussi tout le reste quoi. Comme une documentation de vie. Je sais pas si c'est très... Non, c'est pas terrible. Ce sera plus pareil et je vous montrerai vraiment tout quoi. Et là je pense qu'on peut dire que c'est déjà le début. Je vous montre quand ça va pas. Je pense que je suis un petit peu dans le déni parce que je réalise pas encore. Et juste je pense que mon cerveau et mon corps en est marre d'être mal et de pleurer non-stop. Parce que j'angoisse tellement d'être rentrée chez moi et de voir toutes ces affaires, toutes nos habitudes. On dormait tellement toutes les nuits ensemble que je peux pas imaginer les choses autrement. Je suis contente de filmer cette vidéo. Je sais pas si j'en referai avant la rentrée. Mais je me dis que c'est bien aussi de remettre les pieds dans le plat. Parce que je me vois pas revenir mi-janvier un peu comme si de rien n'était. On est le 21 décembre. Du coup ce sera mon premier Noël sans ma famille. C'était prévu comme ça à la base. Mais du coup c'est encore plus spécial étant donné la situation. Je sais pas si vous êtes vraiment famille. J'ai vraiment l'impression d'être un extraterrestre dans ce monde. J'adore Noël, l'ambiance de Noël, etc. Ça c'est depuis les vlogs. Avant c'était pas le cas. Mais Noël, j'aime pas Noël. Enfin, les trucs en famille, les remarques. Je sais pas pourquoi j'ai jamais eu un bon souvenir réel de Noël. Je sais pas, j'ai jamais été vraiment Noël. Je sais pas si je suis la seule. Je pense pas, mais quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression d'être la seule. Déjà avant de partir, tous les gens qui savaient que je venais à New York pour Noël et le Nouvel An me disaient mais tu vas pas faire Noël avec ta famille et tout. Tout le monde était choqué quoi, comme si j'étais une horrible personne. Parce que je serais avec Jérémy, je pense qu'on ira s'acheter des petits trucs à manger et on fera ça à la maison tous les deux. On s'est déjà offert nos cadeaux de Noël, c'était pas prévu, mais on s'est tous les deux acheté une bague pour Miso qu'on a fait graver. Je suis contente de l'avoir et je verrai tout le temps avec moi. Le bagel qui est juste à côté de chez moi, si je peux dire que c'est chez moi. Saumon cream cheese. Un des trucs qui me remonte le moral, c'est vraiment de manger. Je suis limite en train de me demander si c'est bien ou pas. Si c'est pas un peu toxique. Au début, je voulais plus trop manger. Enfin juste, en fait, t'as pas faim dans ces moments-là. Puis après, je me suis rappelé que j'étais à New York et ça m'a donné envie de manger plein de trucs. J'ai mangé n'importe quoi pendant plusieurs jours. Je mange toujours n'importe quoi. Je pense que ce sera la vidéo la plus honnête de ma chaîne. D'ailleurs, en parlant d'honnêteté, faut que je vous parle de New York. C'est plus du tout comme avant. J'adore New York, vraiment, j'adore New York. Et vraiment cette ambiance qui a nulle part ailleurs. Et ça, c'est vrai. Mais en fait, l'année dernière, j'étais venue avec Jérémy, mon copain. Il est aussi là. Lui, il y était allé déjà quelques années avant. Il me décrivait New York comme une ville hyper safe. Où t'avais plein de petits trucs pas chers. Une ville qui coûte quand même, voilà, c'est New York, mais comme une ville en mode si tu veux prendre un petit café, ça coûte rien. T'as des parts de pizza qui coûtent rien, enfin voilà. Et une dernière déjà, je vous l'avais dit dans les vlogs que c'était super cher. Et plutôt safe dans le sens où je me sentais mieux qu'à Paris par exemple, mais que c'était pas non plus incroyable à ce niveau-là. Là cette année, je suis choquée parce que comme j'avais hâte de venir avant d'arriver, je regardais plein de vidéos, plein de trucs, des vlogs à New York. Et personne dit ça. Je comprends pas pourquoi. On me dit, je sais pas s'ils prennent le métro ou s'ils prennent les taxis pour pas se rendre compte. Ou juste qu'ils veulent pas le dire, enfin j'en sais rien. Mais c'est devenu tellement, tellement dangereux. Même Jérémy, il me dit franchement, on essaye de pas prendre le métro. Alors que normalement, moi toute seule, je me dis, bon bah, c'est sûr, t'es jamais vraiment rationnée dans le métro. C'est tellement pas safe. C'est vraiment à quelle sauce je vais me faire manger aujourd'hui. Genre, je sais que c'est le Covid qui joue beaucoup, mais énormément de drogue. Mais vraiment, quand je vous dis énormément de drogue, vous faites pas un pas sans que ça sente vraiment la drogue. C'est terrible. Le métro. Il n'y a pas une rame sans un malade. Mais en plus, on a une sécurité ici qu'à Paris. Ça, je pensais pas. Et le deuxième point, c'est que c'est cher.
On savait que c'était cher, mais à ce point-là, je pense que vous pouvez même pas vous rendre compte à quel point c'est cher. Deux bagels, on est dans un bagel de base, hein. Deux paquets de chips, deux petits paquets de chips, 40$. 40$, ça fait 40€. Et c'est ça partout. L'année dernière, on était allé au restaurant qu'une seule fois, parce qu'il y a beaucoup de petits trucs à emporter et c'est très bien. Là, je pense qu'on ne va pas du tout y aller. Partout, on a aussi fait des courses parce qu'on voulait manger à la maison. Un soir, on s'est dit qu'on allait se faire des pâtes avec une sauce et genre du fromage râpé, un truc de base. Ça date pour 15 balles. Et c'est immonde, genre ça a pas de goût. On avait pris genre la sauce tomate la moins chère à 4$. Un autre soir, je me suis dit bon, peut-être qu'en fait, faut pas prendre les moins chères et prendre une un peu mûre. On a pris une à 9$. Mais vraiment, c'est les prix, enfin, c'est du délire. Et c'était dégueulasse. Vraiment. Et en fait, ce qui me tue dans ma tête, je me dis ah ouais, je me souvenais plus qu'en fait c'était aussi cher. Mais ça a encore augmenté parce que je vous avais fait un guide sur Insta. Et sur mes guides, j'aime bien mettre les prix parce que comme ça, bah, tout le monde choisit en fonction de son budget. J'ai re-regardé mon guide et les prix avaient augmenté. Par exemple, les cookies que j'adore, le vin bakery, ça a augmenté depuis l'année dernière. Tout augmente en fait. On fait des trucs simples, on fait des petites courses, on mange des trucs basiques. Puis voilà. À chaque fois que je voyage, je prends une carte SIM pour pouvoir avoir internet parce que bah, je suis tout le temps sur les réseaux et comme je poste tout le temps des trucs. Et du coup, bah, là je l'ai pas fait. Déjà au début, j'avais pas la tête à ça. Je m'étais dit que j'en prendrais une plus tard. Puis en fait, j'ai pas envie de le faire. Là, comme j'ai décidé d'être totalement coupée des réseaux, bah, j'en ai pas besoin. En fait, mes corps, je connais, j'en ai pas besoin pour me repérer. Et en fait, ça me fait tellement du bien d'être déconnectée. Je pense que j'en avais besoin pour juste réussir à plus penser. Je suis vraiment contente de pas avoir pris d'internet et d'avoir internet que à la maison le matin quand je me réveille et le soir quand je rentre. Je trouve qu'on profite plus et qu'on se déconnecte plus. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que je serai plus vraiment très active. Je sais pas si je vais réussir à faire d'autres vidéos avant la rentrée. En tout cas, je vais continuer pour ma santé mentale à plus trop être présente. Et parce que de toute manière, c'est les fêtes, donc j'espère que vous serez pas trop sur votre téléphone non plus. J'ai tellement envie de parler, ça me fait trop du bien. Lendemain, je viens de finir de monter cette vidéo et je vais la poster tout de suite. Ça m'a fait trop du bien de filmer. Vraiment, vous me manquez trop. À la base des bases, la première vidéo de 2023, c'était censé être le 15 janvier. Avant tout ça, donc dans tous les cas, je reviendrai à ce moment-là, mais je sais pas si vous aurez d'autres nouvelles de moi entre-temps. Si c'est pas le cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Profitez de vos proches surtout. Et voilà. Vous allez manquer. À très vite.